Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on est très heureux avec Guillaume de clôturer cette magnifique soirée. Et ce soir, comme on a la responsabilité du discours, on s'est dit que ce serait une bonne idée d'aborder la question du sexisme. Tout à fait. Voilà, c'est un sujet qui me touche particulièrement, mais Guillaume y est très sensible également. C'est vrai, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on peut pas être féministe, donc t'as raison Laura, il faut en parler. Voilà, et on voulait notamment dénoncer le fait que malheureusement, les bals de promo aux États-Unis restent souvent des événements sexistes, puisque la tradition veut que les filles ne choisissent pas elles-mêmes leur cavalier, mais que ce soit toujours le garçon qui choisisse et invite la personne de son choix à être sa cavalière. Et c'est scandaleux. C'est pourquoi ce soir, pour lutter contre cette tradition, j'ai décidé d'inviter moi-même Guillaume Batz à être mon cavalier. Afin de montrer au monde la souffrance que peut subir une fille qui va au bal avec un partenaire non désiré. Quoi ? Non désiré, mais tu m'as quasiment supplié pour que je vienne. Mais ça veut pas dire que c'est désiré, Guillaume. C'est un acte de résistance, comme une grève de la faim ou une automutilation. Tu m'as fait venir jusqu'ici pour que tout le monde voit que tu voulais pas que je vienne. Mais c'est des mécanismes psychologiques, c'est pour secouer les consciences. Secouer les consciences ? Déjà, rien que le fait de te voir à la télé, ça se couvre vachement, hein. Tu sais, les gens ici, ils sont très portés sur la bienséance. En vrai, si t'étais suisse, tu serais jamais sur un plateau télé. Tu serais probablement dans un donjon, dans le fin fond du Valais, avec un masque, fermé à double tour, comme l'homme au masque de fer. Je suis pas un objet. J'ai une sensibilité, Laura. Une sensibilité, oui. Comme toutes ces filles qui, l'alcool aidant, vont probablement avoir des relations sexuelles avec ces partenaires non désirés, dont certains, j'en ai peur, ont probablement la bite en forme de pied de biche. Mais j'ai pas la bite en forme de pied de biche. Bon, Guillaume, est-ce que tu pourrais arrêter deux secondes d'être dans l'ego et te vanter de la forme de ta bite ? Je suis désolé, mais je vois pas en quoi ça va faire diminuer le sexisme que quand on a été à cette soirée. Mais c'est une image choc. Les gens vont nous voir à deux, ils vont se dire « Oh, mais c'est pas possible, une fille aussi jolie, avec une créature aussi étrange, probablement qu'il la force, qu'il la manipule, qu'il la violente. » Ou alors ils vont se dire « C'est une pute. » Ah ouais, j'avais pas pensé. Bah alors du coup, pour qu'ils y se passent, c'est une pute, il faudrait peut-être que t'aies l'air un petit peu de me forcer, tu vois. Hein ? Mais c'est pas de violer en direct à la télé, Laura. Non, mais il s'agit pas de me violer, il s'agit juste de me ploter un petit peu avec un air un peu lubrique. Et puis moi, je prendrai une attitude de victime apeurée. Non, je fais pas ça, moi. Mais non, mais... Ça marche très bien, ça. Il y aura des hashtags. Libérer Laura Lone. À mort, les nains en chaleur. Mais je suis pas un nain. Ah ouais, mais ça, Guillaume... Les otaries en ont probablement marre qu'on les appelle des phoques, mais tu les entends pas se plaindre pour autant, hein. Ce que je veux dire, c'est que pour toi, c'est pas forcément péjoratif d'être appelé un nain. Sale nain, par exemple, je prendrais ça pour un compliment. Bon, je te viole quand, parce que j'en peux plus de t'entendre parler, là, vas-y, allez. Bon, ben là, alors, ouais. Il faudrait que tu essaies déjà de me ploter un petit peu, tu vois. Ok. Non, mais avec un air lubrique, un air lubrique, non, toi... Bon, recule, alors, il faut que tu t'approches en mode prédateur, mais sale, tu vois. Ouais. C'est ça, en mode tigre. Oui. Oui, c'est ça, mais un tigre des bas-fonds de la savane, tu vois, qui bave un peu des restes de la dernière antilope. Ouais, non, arrête, ça marche pas, ça marche pas. Non. Non, alors fais plutôt un air malicieux, à la Patrick Bruel. Violeur, mais romantique. Salut! C'est Patrick! C'est nickel, mais avec des étoiles dans les yeux. Oui, mais des étoiles dans un ciel de Barbès, tu vois.
Si, ouais, c'est ça, c'est bien, ça sent le parking là. Ok, ok, vas-y. Et moi je fais la victime. Mais bon, mais vas-y là. Oh non, mais voilà, voilà. C'est quand même pas compliqué de harceler quelqu'un sexuellement. Qu'est-ce que tu peux faire comme si magré? Je suis désolé, mais moi j'ai besoin d'être amoureux pour toucher quelqu'un. En plus devant tout le monde comme ça, c'est très compliqué. Je suis sensible. Je crois que j'aurais besoin de recommencer pour m'habituer aux gestes. Oui, bon ben oui, oui, d'accord. Oui, voilà, d'accord, ça va. Je crois qu'on a bien dénoncé le sexisme, là. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre des tweets. Alors, les tweets. Alors, ça commence, ça y est. Ah ouais, déjà ? Ouais, ça part fort. Hein. Quelle pute. Quelle grosse pute. Grosse pute. Quoi ? Suceuse de nain. Hein? Je crois que ça va pas marcher. Quoi? Mais c'est pas possible! Peut-être si je te mets un doigt. Non, mais c'est pas que ça a pas marché, c'est juste... Attends. Branleuse de pied de biche. Non mais voilà, c'est juste les réseaux sociaux, ça part toujours dans tous les sens, mais ça veut pas dire qu'en fait ils ont pas compris le message féministe qu'il y avait derrière la démarche. Vive le patriarcat, les femmes, cette sourasse, appellent au viol de toutes les femmes de France. Oui, on va arrêter ce sketch. Hein. Hein? Je pense que de toute façon, le message est bien passé pour la plupart des gens. Hein, voilà, là, il y a juste une ou deux personnes qui réagissent un petit peu dans l'émotion. Il y a 200 000 tweets. Hein. Oui, ben voilà, 200 000, ça fait quoi? Ça fait le canton de Vaud. Bon, les Vaudois, on sait bien le temps qu'ils prennent une décision. on les viole pas. On sait pas, on verra après la raclette. Bon. On a le temps de prendre des cours de self-défense. Hein. 900 000 tweets, 1 200 000. Oh là là. Ouais, on va pas s'en sortir. Non. Oui, et puis après tout, le sexisme, le viol. Quand on y réfléchit, ça n'a pas que des mauvais côtés, hein. Bon, franchement, ma mère, elle s'est fait battre par mon père toute sa vie. Bon. Elle n'est pas morte, hein. Alors si, elle en est morte. Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'elle était dépressive et suicidaire. Donc à un moment donné, faut pas cracher sur un petit peu d'aide, hein. Oui, voilà. Mais bien sûr. Et toutes ces femmes qui vont au bal avec un partenaire non désiré. Oh, ben c'est les États-Unis. À un moment donné, il y en a un qui va tirer dans le tas, puis ça réglera le problème, hein. Tu sais ce qu'on devrait faire la prochaine fois, Dora ? Un discours pour encourager le terrorisme. Carrément. Ouais. Et d'ailleurs, tu voudras bien être mon invité ? Alors, désiré, hein, cette fois. Bah oui, désiré. Puis j'aurais besoin de quelqu'un pour faire la démonstration de l'attentat suicide. Allez,